Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, on va parler de cette réponse que Dr. Fode Houssou-Fofana vient d'envoyer, en tout cas aux détracteurs de son parti, l'UFDG. En l'occurrence, Ousmane Gawal Diallo qui ne fait plus partie de ce parti. Alors, le vice-président de l'UFDG a fait une sortie et il a été catégorique et clair. En tout cas, pour les personnes qui veulent vraiment comprendre, voici ce qu'il dit. Nous sommes en train de faire le congrès, ne sont concernés par le congrès que ceux qui sont militants de l'UFDG. Et vous savez très très bien, et ce message est adressé au ministre du Transport, Ousmane Gawal Diallo. Malgré son exclusion du parti, l'actuel ministre des Transports, Ousmane Gawal Diallo nourrit toujours l'ambition de défier le président de l'UFDG, Elazığ Seloudalen Diallo, au prochain congrès de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Un congrès prévu au mois de septembre prochain. Une tâche compliquée, d'autant plus que la base du parti semble le rejeter. Alors écoutons l'intervention de Dr. Fode Houssou. Et je le dis encore, nous sommes en train, les tribunaux sont là, nous sommes en train de faire le congrès. Nous sommes concernés par le congrès que ceux qui sont militants de l'UFDG, ceux qui sont dans les cités du parti. Si quelqu'un sort des règles du parti, il sort, il va dans un autre parti, il va n'importe où. Dès qu'il sort, il s'affiche dans un autre parti, dans un autre mouvement. Il n'est pas de l'UFDG, il est considéré comme démissionnaire. Il n'est ni électeur, ni éligible. Que ça soit très clair. Cette règle-là s'applique à tout le monde. Si Fodo Soufofana demain quitte, va dans un autre mouvement, Fodo Soufofana qui est vice-président n'a plus sa raison d'être dans l'UFDG, il l'aura choisi, c'est comme s'il avait démissionné. Ça va se faire comme ça. Pendant le congrès, nous n'avons besoin que des gens qui sont UFDG, qui sont militants de l'UFDG, qui sont dans les sous de l'UFDG. Nous n'avons pas besoin des gens qui ont un pied à gauche, un pied à droite. Un pied à gauche, un pied à droite, viens dehors. Bravo! Et ça, c'est très clair, monsieur le secrétaire général. C'est sur cette base-là que nous ferons notre congrès. Sur cette base-là que les cités vont être renouvelées. Vous connaissez parfaitement bien ceux qui quittent l'UFDG, qui sont dans les mouvements, restez dans vos mouvements, collez-nous la paix. Nous sommes électeurs, éligibles dans nos cités, et je le répète ici, que ceux qui sont membres de l'UFDG, qui respectent les règles de l'UFDG, qui respectent le règlement territorial et qui respectent les cités de l'UFDG. J'espère que ça c'est très clair. Je le dis devant les fédéraux, le vice-président chargé des affaires politiques est là. Nous allons terminer le renouvellement des structures. Nous allons organiser notre congrès lorsque nous aurons fini de mettre en place toutes les structures du parti. Président, l'Assemblée générale de l'UFDG, ce samedi 3 août 2024, Dr. Fode Houssou Fofana a prévenu le ministre porte-parole du gouvernement. Il dit à qui veut l'entendre. Eh oui, Dr. Fode Houssou dit à qui veut l'entendre que ne seront candidats à ce congrès que ceux qui sont membres du parti et non ceux qui sont déjà exclus. C'est clair et catégorique. Un parti politique, ce n'est pas le désordre. Dr. Fode Houssou adresse ce message à Ousmane Gawal Diallo. Un parti politique, ce n'est pas de désordre. Un parti politique est régi par les règles. C'est pour ça qu'on a notre règlement intérieur. C'est pour ça que nous avons nos statuts. C'est pour ça que nous savons comment fonctionne un parti politique. Un parti politique est une association, et oui, qui a ses règles. Si tu veux rester dans le parti, tu es obligé de respecter les règles. Si tu ne respectes pas les règles, ça ne marche pas. Nous sommes régis par les règles et les principes.
Mais ces règles s'appliquent à Fodewusu lui-même, à Kalemodou, à Bano, à tout le monde. Il donne un exemple. Si Fodewusu ne respecte pas les règles et les principes du parti, s'il défie, il trouvera le parti devant lui. Je le dis ici pour que ça soit clair pour tout le monde. L'UFDG est un parti qui respecte le règlement intérieur et les statuts de son parti. C'est clair. Alors, on continue la famille. En tout cas, cette fois-ci, je pense que c'est vraiment clair pour Ousmane Gawal Diallo qui veut vraiment arracher le parti de l'UFDG au président Sélou Alain Diallo. Pour nous, les militants sont les rois. Mais les militants ont l'obligation de respecter les règles du parti. On n'est pas dans le désordre. Si tu sors en dehors des règles du parti, tu n'es plus avec nous. Tu as failli au règlement intérieur. Tu peux aller où tu veux. Il fait l'occurrence à Ousmane Gawal qui, selon la justice, a saisi la justice concernant son exclusion du parti. Et docteur continue. Et je le dis encore, nous sommes en train de faire le congrès. Ne sont concernés par le congrès que ceux qui sont militants de l'UFDG, ceux qui sont dans les structures du parti. Si quelqu'un sort dans les règles du parti, il va dans un autre parti. Il va n'importe où. Dès qu'il sort, il s'affiche dans un autre parti, dans un autre mouvement. Il n'est pas de l'UFDG. Il est considéré comme un démissionnaire. Il n'est ni électeur, ni éligible. Il faut que cela soit clair. Cette règle-là s'applique à tout le monde. Il est clair à tous ces gens qui sont en train de faire des manigances, en tout cas au sein des bureaux des fédéraux. En tout cas, Dr. Fodewusu vous adresse un message vraiment clair. Si vous êtes d'accord avec ça, vous restez dans le parti. Si vous n'êtes pas d'accord, en tout cas, le parti vous dit au revoir, vous pouvez partir. Alors, docteur, continue. Pendant le congrès, nous n'avons besoin que des gens qui sont de l'UFDG, qui sont militants de l'UFDG, qui sont dans les structures de l'UFDG. Nous n'avons pas besoin des gens qui ont un pied à gauche, un pied à droite. Un pied à gauche, un pied à droite, il est dehors, c'est clair. A martelé le président du groupe parlementaire des libéraux et à l'Assemblée nationale au compte de la 8e législature. Alors la famille, c'était ça l'information du jour, cette sortie du vice-président Dr. Fodewusu Fofana, en tout cas à l'endroit de ces personnes qui ont un pied dans l'UFDG, un pied dans un autre mouvement. Tu ne peux pas avoir un pied dans l'UFDG et un pied dans un autre mouvement. Là, le docteur parle, en tout cas, le mouvement que Ousmane Gawal Diallo a créé pour semer le désordre dans le parti de l'UFDG. En tout cas, c'est clair pour ces gens, en tout cas, qui se trouvent dans ce mouvement de Sérac, ce qui veut dire qu'ils ne font plus partie de l'UFDG. Et oui, parce que tout le monde a compris, ils ont mis les structures CERAC là en place juste pour semer la division au sein du parti de l'UFDG. Et ce qui ne va pas du tout marcher, parce que le parti de l'UFDG est régi par son statut et les règlements intérieurs du parti. Si tu veux rester dans le parti, c'est clair, tu dois respecter ces règlements. Si tu ne veux pas respecter ces règlements, ça veut dire que tu ne fais plus partie de l'organisation. Ça y est, tu quittes. En fait, toute organisation est régie par les règles. Et si vous ne respectez pas ces règles-là, normalement, vous devez partir. C'est clair. En tout cas, la famille. Alors la famille, je vous invite à partager cette vidéo au maximum. C'était ça notre thème du jour, la sortie du Dr. Fodewusu Fofana qui adresse un message fort à Ousmane Gawal Diallo et de son mouvement Sérac.